Bon voilà, je voulais faire un petit film pour vous présenter l'appart dans lequel je vis. Là c'est ma chambre, voilà. Il est 18h ce soir, il reste encore un peu de lumière. Aujourd'hui en fait c'est la pendaison de crémaillère, donc pour l'instant tout est nickel. Donc je me dépêche de vous montrer ça pendant qu'il y a encore un peu de lumière. Là il y a la salle à manger. Là c'est les jolis tableaux balinés de Ben. Là c'est la cuisine, vaste, équipée, tout ce qu'il faut. Là, il y a le coin de la maid. Bon, pour l'instant, c'est pas une maid qu'on a, mais c'est un copain qui vit là. Benoît, qui est là pour 15 jours. C'est beaucoup moins luxueux que nos chambres à nous. Ensuite, on va retourner dans la salle à manger. Je pense que vous avez déjà vu le baby-foot tout à l'heure. Voilà, le baby-foot, c'est ce qu'il y a de central ici. On a aussi une table de ping-pong, mais je sais pas où ils l'ont planqué. Là, on va arriver dans le salon. Le salon qui est génial. Avec notre belle télé, notre canapé, notre petite table basse. Vous voyez, c'est assez vaste, hein, c'est quand même 300 mètres carrés, c'est pas rien. On se partage ça à trois. Là, c'est notre petit balcon. Là, c'est notre magnifique vue. Voilà, ça, c'est Bangkok. Bangkok, Bangkok, Bangkok. Là, en bas, si je regarde sans lâcher mon appareil, pouf, j'ai la piscine. Là, on est au 19e étage. Mais bon, faut pas faire de plongeon d'ici, mais d'en bas, c'est sympa. On va se rafraîchir le soir. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui, mes petits tableaux de surfeur. Il y a quand même la chambre de Ben qui est assez incroyable, quoi. Je vais vous la montrer. Bon, malheureusement, c'est pas la mienne. Est-ce qu'il est en train de faire une sieste? Non. Là, c'est sa chambre. Sa salle de bain qui est assez incroyable aussi. Et voilà. Espèce de jacuzzi. Donc, ça, c'est l'état de l'appart avant la grosse fiesta de ce soir. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'imagine le carnage, la même vidéo demain matin, ça risque de faire mal. Donc on refait un deuxième shoot demain pour voir tout ça. Allez, bye.